Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Emco Park, l'épisode 22, si je dis pas de bêtises. Regardez-moi ce beau palmier, ouh les amis, on a continué avec BX Snow qui était chaude et de retour en off. On a un petit peu continué le parc, alors c'est pas énorme mais c'est pour vous dire ça y est, maintenant on est lancé, on est parti. Vous allez voir, c'est à ne plus rien y reconnaître, non je rigole, alors attendez pour pas vous spoil, hop vous reconnaissez l'entrée bien évidemment. Évidemment, si je me retourne, hop là, ça commence sur la conception de ce chemin que vous voyez juste ici. Voilà, tout simplement, ça commence bien, un petit chemin par là. Ici, j'ai fait un chemin qui mène ici au carrousel, vous l'aurez compris. Là, le but du jeu aussi, c'est que, bah, par exemple, on puisse se promener par là, les parents, etc., puissent venir là, regarder leur enfant faire le carrousel, machin. Tout ça, en fait, ça va être la place centrale, vous l'aurez compris. Les chemins qui se relient ici, les autotamponneuses, juste là, ça n'a pas bougé, mais du coup, on a fait un chemin tout autour. Pareil là, BX Snow, elle a fait rejoindre ce chemin. Après, voilà, le but du jeu, c'est de pas avoir peur de mettre trop de... Alors là, en l'occurrence, c'est de la stone brick qu'on a mis. Alors, on pourra toujours faire des alternatives et faire des... Mince, comment on dit? Bref, vous savez, des damiers, enfin bref... Des dégradés, je sais pas comment appeler ça. Bref, on pourra se faire plaisir. Et ici la tour infernale, regardez ce qu'elle est en train de commencer à faire. Un peu, alors je sais plus comme dans quel parc ça lui faisait penser. Mais bref, voilà, pour que ça fasse moins barre de fer comme ça, elle va faire un peu univers. Alors vous voyez, elle a utilisé des blocs de Warped Stem. Donc ça c'est, ça vient du Nether. Mais voilà, comme ça reste sur du bois, mais c'est différent. Donc on va voir comment elle va faire ça. Je pense que ça va être bien sympathique. Et ça va changer grandement le truc, tout en restant sur un truc quand même, ça reste quand même un bloc de fer le truc, tu vois, c'est quand même ça la tour infernale. Donc voilà pour les avancées, donc tout ça, ça va être la place principale, vraiment tout, donc faut vraiment pas avoir peur d'enlever l'herbe, clairement tout ça, on va tout transformer en stone brick. La stone brick, comme dit, on pourra changer et mettre un autre bloc, faire des damiers, faire des... Je sais plus comment on appelle ça, bref... je dis des damiers mais c'est pas ça que je veux dire. C'est pas grave, j'ai perdu le mot mais vous m'avez compris. Pas que ce soit uniforme non plus. Bref, on verra comment on fera. Mais en tout cas vous avez compris un petit peu l'idée. Il y aura, voilà, ça continuera ici. Il y aura des chemins pour aller jusqu'ici. Pour aller jusqu'ici. Et on s'est mis d'accord, d'ailleurs regardez je vais vous montrer. On a fait en fait, parce que vous l'aviez dit en commentaire, ouais, faudrait rajouter des palmiers ici sur le volcan, nanana. Bon, comme j'ai répondu en commentaire, je l'ai dit dans la vidéo, c'est ce qui est prévu. Il y aura des palmiers partout, là c'est vide. Il y a rien, c'est vide, mais il y aura tout le temps des trucs pour combler, des décorations, des attractions, des chemins, des fontaines, tout ça. Mais du coup, on a fait des schématiques /schem load. Alors attendez, liste d'abord. On a fait plusieurs schématiques de palmiers. On a le big palmier, le palmier abstrait et le palmier droit. Voilà, c'est des noms assez particuliers, vous l'aurez compris. Regardez, /schem add. Non, c'est load. Big palmier, regardez-moi ce big palmier. Hop, je fais paste. Bam, c'est ce gros palmier en fait qu'il y a à l'entrée du parc en fait, tout simplement, on l'a repris. Donc un des meilleurs palmiers que BX Snow a fait, tout simplement, disons-le très clairement. Donc le palmier qui est juste ici, voilà, vous le voyez. Donc lui, c'est pas le palmier qu'on verra, enfin qu'on mettra à fond, hein, on en mettra de temps à autre à certains endroits, mais on va pas trop en abuser. On a quoi comme palmier? On a le palmier abstrait, c'est bon, un petit paste. C'est celui-là, voilà, un petit palmier plutôt sympathique. Je l'ai appelé abstrait parce que j'étais dans un délire, hein, tout simplement, voilà. Et enfin, le palmier droit, bah lui il est tout con, je crois, si je dis pas de bêtises, ça va être vraiment le palmier un petit peu classique. Palmier droit, si je dis pas de bêtises, hop, c'est ça. C'est clairement ce genre de palmier qu'il y aura très souvent sur les bords des chemins, tout simplement, donc qu'on mettra tout le temps, voilà, tous les 5-6 blocs, sans aucun problème. Voilà pour ce qu'on a fait en tout cas entre temps. Aujourd'hui ce qu'on va faire les amis, on va s'attaquer à une tâche assez assez relou, mais il faut qu'on le fasse. Vous savez qu'il y a des attractions qui sont cassées malheureusement, évidemment beaucoup moins qu'avant en tout cas. Donc aujourd'hui on va essayer un maximum de s'occuper du manoir hanté, parce que clairement le manoir hanté c'est quelque chose qui est très important. Alors là j'ai fait comme j'ai pu pour réparer la maison, je peux pas tout faire, c'est très très chiant, personne ne fait attention de toute façon aux grands détails, hein, dans... Voilà, ça reste quand même des détails. Là par exemple, il y a juste un truc qui me gêne. C'est ça, donc je vais juste, voilà, le but du jeu aujourd'hui ça va être de réparer ça, mais vous allez voir ça va être un peu plus chiant parce qu'il va falloir refaire les command blocks, etc. Donc globalement en fait on va refaire un petit peu cette attraction, mais bon c'est pas bien grave, on va quand même se débrouiller, je fais n'importe quoi. On va quand même se débrouiller. Voilà, après, voilà, ça c'est tout ça c'est des détails les gars. Personne n'y fera attention à un moment donné, au pire.
le parc a une histoire, tu vois, le parc a une histoire. Là, j'aime bien les trous, très clairement, j'aime bien les trous, comment ça rend. Alors, je sais plus si c'était comme ça à la base, je suis pas persuadé, mais j'aime bien comment ça rend. En vrai, ça rajoute un petit truc un peu angoissant, tu te dis, oula, c'est un peu... on n'a pas trop envie d'y vivre, quoi. Alors là, normalement, ça, c'était relié, j'aimerais bien que ce soit aussi relié, voilà. Tout simplement. Donc là, les barrières, ça a été réparé, parce que pour vous rappeler, c'était cassé, ça aussi, c'était un peu bizarre. Donc ça, c'est réparé, il n'y a plus rien à faire. Là, il y a encore des vitres qui sont pas bonnes. Donc on va les connecter. Voilà, et maintenant quand on descend, pareil les escaliers je les ai un peu réparés. Là on va pouvoir mettre du coup de la décoration etc. D'ailleurs vous savez quoi, on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite les amis, on va prendre fence. Ah non attendez, vu qu'on est à 1.16, attendez. Comment ça s'appelle? Voilà les chaînes, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau et ça c'est excellent. Tac. Ah oui. C'est pas ouf, mais en fait ça éclaire absolument pas en fait. Ça n'éclaire pas. J'avais pas vu ça comme ça. Ah mais c'est pas grave, on va prendre des lanternes classiques alors. Tant pis. Pas grave. Voilà, ça au moins ça éclaire. Mais j'aime pas à la hauteur où c'est en fait, c'est complètement con je trouve. Donc on va laisser ça là comme ça. Niveau éclairage, voilà en fait c'est surtout là qu'on va en mettre. Genre on va faire descendre ça et... Ouais. Ça c'est sympa. Voilà, histoire qu'on ait un peu de luminosité. Voilà, c'est pas à la même hauteur, c'est nickel. Attends, on va essayer de faire descendre. Voilà, faut pas que ce... Nickel. Y a rien de symétrique, c'est parfait comme ça, vraiment. Hein. Ok, comme ça, niveau luminosité, c'est tamisé, c'est sympa, c'est nickel. Ok, parfait. Enfin, c'est tamisé. Hein. En gros, genre, c'est pas trop clair, mais c'est pas trop non plus sombre. Là, ici, cette lumière, on va la laisser. Ici, on va en mettre une dans le coin également. Vous savez ce qui serait stylé, je pense. En fait, je verrais bien dans ce mur un truc qui fasse peur. Genre, il pourrait y avoir des vrais mannequins, des gens qui bougent. Enfin, t'imagines? Alors là, évidemment, on va pas faire ça. On va pas faire des gens qui bougent. Mais dans l'idée... attendez, j'ai une idée juste. Hop. Je vais faire ça comme ça. Ouais, voilà. Et genre dans l'idée, peut-être, alors est-ce qu'on met de la glace? Ah, attendez, ouais, de la glace noire, là. Eh, c'est quoi ça? Black stain, c'est nouveau, ça? Je connais pas. Mais on va mettre ça. Et genre, bah ouais, attends, on dirait que c'est des vitres cassées, pas du tout. Et genre derrière, on mettra un mannequin, tu vois. De toute façon, il faudra que je recommence les mannequins dans beaucoup d'attractions, donc ça, on verra au fur et à mesure. Mais là-dedans, on mettra un mannequin. Genre un mannequin horreur avec une tête d'Halloween, tu vois, bam bam. Et genre, bonjour, tu vois, ça peut être sympa. Ici, le but, ça va être d'enlever les torches. Ah, attendez. Non, oui. Et maintenant, on va mettre des torches bleues, même si ça éclaire que dalle. Et en fait, ce qu'on va faire, les frérots, on va faire un truc. Alors, c'est très classique, c'est très connu. Hein. Vous êtes très nombreux à connaître cette technique. Ça date quand même de Mathusalem, hein, comme disent les vieux. En gros, tu mets... on va la mettre là. Tu mets une item frame, tu mets dedans une enclume. L'enclume, d'ailleurs, tu peux la mettre dans le sens que tu veux, mon pote. On va la mettre comme ça. Et puis tu mets une torche derrière. Et ça fait genre... ça fait comme ça. Alors, c'est pas spécialement comme ce que j'aurais voulu. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Est-ce que la chaîne peut la mettre au sol? Oui, mais c'est débile de faire ça. Oui, c'est complètement con. Ah, je regarde un petit peu tout ce qu'on peut faire. Alors, je suis bien conscient, c'est très sombre, les amis. Après, le but du jeu, c'est que ce soit sombre. Ouais, non, c'est pas... C'est pas ouf. Hein. Malheureusement... ces lanternes là, c'est celles qui sont les mieux, quoi. Y a pas le choix, quoi. Y a pas le choix. Ça fait trop con, sinon. Donc on va devoir faire ça comme ça. Pas trop de lanternes non plus. Alors attends, ça dégage. Comme ça, je pense que c'est pas mal niveau lumière. Tu vois, le but, c'est d'en mettre le moins souvent, mais quand même... La lampe qui... La torche qui vole toute seule. Voilà, comme ça, tu sais, y a des petits coins sombres un peu. Et en fait, tu sais quoi? Pareil. Ce qu'on peut faire, c'est ici, pareil, mettre des mannequins, là, tu vois. Dans ce mur, là. Ah, ça y est. M-Colo, il a de nouveau des idées. J'en avais plus pendant un moment. Et là, je suis en train de customize à fond le truc. Hop, voilà. Voilà, et puis là, pareil. Glace, on va remettre la glace stained en noir. On mettra des mannequins derrière. En plus, dans le noir, là, c'est encore mieux. Regarde, tu vois. Oh, attendez, c'est stylé, le reflet, là, de la lanterne. Incroyable. Donc voilà, ça c'est nickel, c'est assez sombre. Après, on pourra toujours ajouter d'autres décors. C'est très linéaire, j'ai envie de vous dire. Bon,
Donc là, juste ce que je vais faire maintenant, à partir de maintenant, je vais enlever le shader. Parce que, bah, pour moi, comme pour vous, sinon on va vraiment plus s'en sortir. Et niveau command block, ça va être assez compliqué. Ça va être assez compliqué. Allez, on enlève le shader, Mojang Studios, hop, nickel. Donc là, bam bam, t'as ton minecart, tac. Alors attends, normalement il y a un bouton qui est... Tu vois déjà là ça commence bien, il est censé y avoir un bouton. Bouton, hop, hop. Eh oui, c'est vrai, du coup il n'y a plus aucun command block qui fonctionne. Ah oui, bah il n'y a plus aucune redstone qui est bien mise tout court. Alors est-ce que... Ok, donc déjà ça s'est connecté, ça fonctionne. Bon bah maintenant let's go relier. Ah ouais putain c'est chaud. Alors du coup les frérots, slash effect give mcolo. Attends mcolo night vision. Et on va mettre ça pendant assez longtemps. Voilà, en fait tout a été retourné hein. Y a pas de secret. Par contre ce qui m'embête c'est que je ne sais pas s'il y a un timing ou pas. Parce que ça c'est le problème des répéteurs. Quand ils sont retournés etc, c'est que je sais pas si j'avais exprès mis je pense que oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est normal, c'est, à mon avis c'est normal. Je crois qu'il y avait un timing, non? J'avais mis à comme ça, je sais plus si je les avais claqués ou pas. Donc dans le doute je vais les claquer. Alors là j'imagine évidemment que, voilà, il n'y a plus rien du tout. Ce qui est fort embêtant. C'est pas grave, en fait ça permettra de remettre les pendules à l'heure. Je vous rappelle que on compte faire un ressource pack personnalisé, en tout cas un sound pack. Et du coup ça va nous permettre de mettre la musique qu'on veut et ne pas se limiter au truc classique de Minecraft. On va mettre vraiment les bruitages qu'on veut, tu vois, dans le sound pack. Donc au moins, voilà. Je sais même plus qu'est-ce qu'il y avait dans ces command blocks, c'est crétin. Pour le coup, je sais vraiment plus ce qu'il y avait, quoi. C'est bizarre. Ça doit être des bruits d'ambiance, mais je crois qu'il y avait quand même d'autres trucs assez importants. Tu vois, quand t'arrives là, bam bam. Alors là, il était... Ah ouais, punaise, là, il n'y avait pas des trucs genre... Alors attendez, il me semble que c'était... Comme il y a plein de nouveautés maintenant, frérot. Il y a plein de nouveaux trucs. Waouh, je suis perdu là. Je redécouvre Minecraft. Non, mais c'était ça qu'il y avait, je crois. Exactement. Bon, là, évidemment, on a la night vision. Hein, donc, c'est moins... C'est pas pareil. Là, la redstone, c'est plus ce que je voulais. Alors là, j'imagine que c'était relié. Voilà. En fait, faut avoir cette logique. Voilà, comme ça. Les trois, là, ils étaient reliés. Parfait. Lui, il était tout seul. Là, ici, bah pareil, s'il y a des trous, c'est qu'il y avait ça. Nickel. Lui il doit être dans le bon sens. Peut-être pas. Je pense que voilà, c'était comme ça qu'il était. Lui il est dans le bon sens. Ici ça continue de tourner. Ok nickel. Alors là ça va être assez amusant. Parce que, alors attends hop. Ici il y a la tête de dragon. Bah regardez bien. Hop, la tête de dragon, elle est à l'envers. Ça c'était évident. Hop. Bah ouais mais du coup il n'y a plus le... Il n'y a plus la torche derrière. Ah c'était un levier, d'accord. C'était un levier. Je viens de le casser. Ah voilà. Tac tac. Ah ok. J'avais mis un bloc là. Et le levier. Ah oh, il fait chier. Levier là. Ça marche? Ça marche. Tac tac tac. Voilà. Ça va, c'est assez agréable à refaire. Par contre ouais, je sais plus s'il y avait un mur ou pas au dessus. Je pense même pas. Ouais c'était comme ça. Et donc là, c'est tout ça qui s'enlève, on est bien d'accord. Ah oui, voilà, c'était comme ça en fait. Je sais plus comment c'était. Au moment où c'était ouvert, en fait, il y a juste les blocs devant. Ou est-ce que... Ah, je sais plus comment j'avais fait. Si c'était comme ça. Oui, non, ça c'est débile. Ouais, c'est ça. Donc il y avait juste les 9 blocs devant en fait. Ok. Ça c'est bon. Faudra refaire toutes les commandes blocs, ça c'est vraiment relou. Tout est relié, pareil. Donc là maintenant si on regarde en dessous, ah y'a tout qui est à l'envers mon pote. Aïe aïe aïe. Est-ce que déjà... Alors évidemment j'ai plus de minecart sur moi. C'est bon. Alors Hop. Là ça descend. Là ça va ici. Et là ça s'arrête. Par contre j'ai vu que ça partait là-bas. Non, ça part ici. Passe quoi là? Ah c'est pour les portes. C'est pour faire bouger les portes. Eh bah ouais. Pour faire claquer les portes juste en dessous. Donc hop. Ah ouais c'est chaud. Ça part dans tous les sens. Moi j'y comprends plus rien. Ouais. Ouais ouais. Ça s'arrête là. Là c'est bon. Ça m'étonne ça quand même.
C'est bizarre ça que j'ai laissé une poudre là. Ah non, mais il doit y avoir une porte en dessous. Ok. Là, il se passe quoi? Là, c'est la cloque. Ah ouais, avec le bloc qui apparaît. Donc attendez, oh là là, je me rappelle plus moi. Et ça doit être dans un sens très précis. Bah, je dirais comme ça, hein. Voilà. Et après, là, il y a un bloc qui apparaît, bam. Et après, ça fait allumer là-bas. Non, c'est bon, ça fonctionne du coup. Enfin, ça fonctionne, ça fonctionnera quoi. Ok. Ok, ok, ça c'est bon. Il y a juste les commandes blocs. En fait, c'est ça, il y a juste les commandes blocs à remettre et c'est ça la partie la plus relou. Ensuite, donc, par contre, là on voit évidemment ce qu'il ne faut pas voir. Voilà. On arrive ici. On voit vraiment rien, c'est trop drôle. Donc là, évidemment, il y a les portes qui sont plus là. il manque les portes là, les frérots. Bah attendez, ça tombe bien puisque du coup on a des nouvelles portes là en fait depuis le temps. Donc on va pouvoir... Ah non, il me semble que c'était déjà celle-là qu'on utilisait, mais on a aussi d'autres portes maintenant. Tiens, c'est bon ça. Voyons voir un petit peu. Parce qu'habituellement c'était ça. Hein. Ça j'aime pas. Ça c'est sympa. Ah ça pour une maison horreur c'est nickel. Oh j'ai envie de faire une nouvelle attraction les frérots. Bah, de toute façon on en fera d'autres. Hein. Mais ça donne envie de refaire d'autres attractions. Genre d'horreur encore. Genre, je sais pas, il y a un truc en plus là avec cette porte, c'est incroyable. Là ici, il y avait une tête de... Ah non, c'est Weezer. Tête de Weezer. Hop. Ici, toile d'araignée, c'est très bien. Mais il y avait pas... Mais si, il y avait des lumières aussi. Ah oui, mais les lumières sont censées s'allumer. Ah, c'est pour ça la redstone du dessus. Ouais. Pas sûr de moi là. J'espère que ça va marcher. Par contre, je sais qu'il y avait aussi des tableaux. Painting. Bah ouais, mais on peut pas les mettre, gros. Ah. Alors, on met quoi? Voilà. Nickel. Là aussi, il y avait. Ouais. Y'a rien qui fait peur. Après pareil avec le ressource pack on pourra customiser les items frame et mettre d'autres trucs. Oh ouais, j'y avais pas pensé. Mais avec le ressource pack on pourra faire ça. Ah bah nickel ça. Voilà, après ça continue ici. Je savais que là il y avait un tableau qui était comme ça. Alors lequel c'était? Ah, je suis pas sûr que c'était ça. À moins, je sais plus si c'était un cadre de 4 en fait. Franchement, je sais plus. Non, je dirais que c'était un 4 de 2. De toute façon, on changera. On changera avec le ressource pack. Bon, bah là, c'est pareil. Hein. Toute la commande bloc à refaire. Oi, oi, oi. Non, mais franchement, ça fait. Ça fait par contre un peu dérailler. Parce que je me rappelle vaguement, il y avait quoi comme effet. Mais je me rappelle plus vraiment des chaque commande bloc, c'était quoi, etc. En plus, là, ça continue ici. J'ai fait tout un circuit. Là, tout est... L'avantage de la redstone, elle se relie hyper facilement par contre. Ok. Ah ouais, tout ça c'est à l'envers, frérot. Donc là il est censé se passer des trucs, mais je sais plus c'est quoi les commandes blocs ici pour le coup. Ah, c'est horrible. C'est horrible, j'aurais beau réfléchir en off, je trouverais pas. Et comme je l'ai pas fait en vidéo, ça je crois. Il sert ce bouton, je sais pas, mais bon, il est là. Ouais, ouais. Bon, bah, tout est relié. Tout est relié. Je laisse ouvert, hein, comme ça, je sais à chaque fois c'est où les command blocks, etc. Là, en toute logique, est-ce que ça marche toujours? Ah, oui, alors là, normalement, il y avait aussi une tête de. Voilà. T'arrives là, bam bam. Oula, ça fait peur. Et hop, tu repars. Ok, ça monte, c'est connecté, il y a de la fumée. C'est nickel. Continue. Ah. Eh ouais. What? On est où là? Ah ouais, je viens de relier deux salles, ça m'a fait peur. Alors attends, parce que là du coup... Oh, l'avantage c'est que c'est presque tout dans le bon sens. Ça c'est stylé. Il y a juste ça, il faut changer. Et ça c'est dans le bon sens. Ça c'est stylé. Hop. Hop.
Ça par contre c'est comme ça. Ça c'est dans le bon sens. Ouais, je vérifiais juste que c'était relié. Là ça monte encore. Man, ça part dans tous les sens. Voilà. Ah mince, j'ai cassé des... J'ai cassé quelque chose, je sais pas quoi. J'ai chié. Ok. Bon là maintenant voilà. Maintenant tout est connecté. En fait maintenant il n'y a plus qu'à rentrer les bons commandes blocs. Et que je ne sais plus c'est quoi, mais voilà, il va falloir faire ça. Mais avant, toute chose, maintenant que ça c'est bon, ça va nous permettre de vérifier si c'est bon. Ah oui, mais dans tous les cas en plus. Alors attends les frérots. Voilà, s'il vous plaît. What? Attends. Voilà. Mais maintenant le truc qui m'embête un peu, pour rappel, c'est après il y a cet ascenseur là. Et l'ascenseur là, bon évidemment il n'y a plus rien qui fonctionne non plus. Mais c'est pas grave parce que le truc c'est que l'ascenseur là, eh oui, j'avais dit qu'il sortait ici. Et moi je veux qu'il nous fasse sortir dans cette forêt. La forêt qui est complètement cassée, vous l'aurez remarqué. Chelou ça. Les arbres ils sont grave carrés. Bon c'est pas grave, dans tous les cas on va repasser un coup. Parce qu'ici c'est coupé linéairement, donc on va repasser un coup pour refaire apparaître la forêt hein, bien sûr. Mais ouais j'aimerais que l'ascenseur soit là. Donc je pense qu'on va devoir carrément changer le circuit. Donc mais ça m'embête parce que je voulais vraiment que le minecart ressorte ici. À la fin, tu vois. J'aimerais que le minecart revienne ici, mais c'est pas... C'est pas... Oh, j'ai une idée. J'ai une idée. En fait, on oublie cette histoire d'ascenseur. En tout cas, on le fera donc dans la forêt. Le minecart, à la fin, il reviendra là, d'accord? Genre... Il reviendra tout seul en fait. Et genre, les gens qui attendent à la file d'attente, d'accord, ils verront, sachant qu'on se sera déjà bien chié dessus dans cette partie, ils verront les gens passer. Donc en gros, vous voyez peut-être pas ce que je veux dire. En gros, on est où frérot? En gros, là on se fait éjecter du minecart, mais c'est fini, on se fait plus éjecter du minecart. Terminé. Nous, hop. Eh frérot, à un moment donné c'est moi qui décide. Là, on oublie ce qu'il y a là-bas, d'accord? Voilà. Ce qui se passe, c'est que là, ici c'est fini. Et là, le minecart reviendra. Alors vous inquiétez pas, c'est pas encore clair. C'est pas encore clair. Si je me mets en mode spectateur, il se passe quoi là? Ah oui, ici il y a le mur de l'autre côté. Donc le minecart reviendra automatiquement de là, d'accord? Donc, d'ailleurs on s'en fout de la terre. Voilà. Là en fait ce qui va se passer, je veux que une fois qu'on a fait ce tour, on aille dans la forêt. Donc le minecart il va faire la forêt. Mais moi je veux que dans la file d'attente on puisse voir. Donc là il y a les mannequins etc, aucun problème à ce niveau là. Et ben d'ailleurs ce serait méga stylé d'avoir un rappel. Attendez. Une idée de malade qui me vient en tête les frérots. Ah bah il y avait un minecart ici. Très bien. Sachant que Hop. Sachant que on aura donc la glace là. Ça veut dire. Voilà. Je veux. Voilà. Là on s'en fout. On voit plus. Là on revoit. Ah j'ai une superbe idée les gars. Voilà. Voilà, en gros, c'est ça mon idée. C'est ça mon idée. C'est que toi, t'es là dans la file d'attente. Alors, attends, là, c'est censé aussi être fermé. Toi, t'es là dans la file d'attente. Ah, oh, puis merde. Et en fait, voilà. Et tu vois le minecart qui passe ici, genre les autres personnes qui passent, tout simplement. Et en plus, il y a le mannequin juste ici qui fait et peur à la file d'attente et peur aux gens qui passent. En gros, c'est ça mon idée. J'aimerais trop que ça fasse, que ça fasse ce rappel. Vous voyez? Donc voilà, très clairement... Tout le long ici là, je veux, voilà, ici je veux qu'il y ait de la vitre partout, tout le long de ce truc. Là vous vous dites putain Mikolo t'as des idées incroyables. Et vous avez raison. Ok. Donc là tout ça, juste, voilà, c'est juste un mémo technique. Tout ça c'est de la vitre. Et là je veux que des gens passent.
tels des rats de laboratoire. You know. Voilà, et ce sera le chemin pour aller jusqu'à la forêt en fait. Pas de bruit. Alors attends. Faut que ça reste cohérent, sinon on va vite se tromper. Parce que là ça descend, et là ça descend encore je crois, non ? Ah bah nickel. Parfait. Hop. Donc mais après là c'est là où le train reviendra aussi. Alors attention, pas de bêtises. Ah bah il va faire un reverse. Ah les gars, j'ai tout le temps que des... Ah, ces idées que j'ai parfois. Parfois j'ai des bonnes, parfois j'ai des merdiques. Là j'ai une bonne. Voilà, vous inquiétez pas pour ce que je fais. Là vous vous dites mais qu'est-ce qu'il est en train de faire. Voilà, nickel, c'est carré. Voilà, donc là, là on vient de faire tout un tour. D'accord, on a fait le tour, on s'est chié dessus. C'est incroyable, et là en fait ça continue, bam bam. On va aller à la forêt, tout simplement, à la forêt de Goupil, en passant par là. Là normalement, si j'ai d'ailleurs bien calculé mon coup, le minecart, donc on va juste faire un test. Le minecart, hop, il est censé aller tout droit normalement. Alors j'espère qu'il va aller tout droit. Et il va tout droit. Voilà. Et donc là voilà, on va continuer par là. Bam 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 bam. Là on va passer juste ici devant la fenêtre. Voilà, bonjour, coucou, on s'est chié dessus, c'est pas fini. Et après à la fin, on se fera éjecter du minecart au niveau de la forêt. On prendra l'ascenseur. Tout comme avant comme c'était. Ou peut-être qu'il y aura un escalier, peu importe, on verra. Et lui le minecart, il reviendra. Le minecart refera le sens inverse. Tu vois, il fera le sens inverse, il reviendra, il repassera devant les gens, sauf que cette fois-ci, il sera vide. Et là, il ira à gauche, bam bam. Et il sera là, et il se mettra là, et il attendra les prochains pour l'enfer. C'est bien ou pas? Franchement, c'est stylé. Alors, ça n'empêche du coup que cette sortie-là, elle est useless maintenant. Donc on verra, on s'arrangera. Est-ce que les gens reviendront après? Peut-être. Oui, peut-être les gens reviendront après, une fois qu'ils auront fini le tour dans la forêt. On verra comment ça se passe, d'accord? On n'y est pas encore. Mais en tout cas, voilà pour l'idée. Je pense que c'est une chouette idée là que je viens d'avoir. Ah là je suis plutôt, plutôt fier de moi, je vais pas vous mentir. Ah je vais pas vous mentir. Donc ça c'est quoi? C'est de la black concrete. Hein, parce que les gars on va faire du world edit, hein, on n'a pas que ça à faire. Slash slash 7 black concrete. Juste ici. Ah frérot je croyais que j'avais tout sélectionné mais pas du tout. Hop. Hop. Voilà nickel. Ça on peut faire tout le long. Alors juste ce qui m'embête un peu... Voilà. Ce qui m'embête un peu. Mais pareil, là, ce serait stylé de. Tu vois, ça fait une sensation de grandeur et de mal-être si on fait ça, regarde. Et on pourra aussi mettre des mannequins dedans, d'ailleurs. Alors, attends. Tu vois, ça, que ce soit dans la file d'attente ou dans le manège directement. Ça fait une sensation de mal-être d'avoir ça comme ça, regardez. Tu vois? C'est-à-dire que toi, t'es dans la file d'attente, tu vois les gens passer ici, tu vois les gens repasser par là, toi, t'es là, tu comprends rien à ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, bam bam. Ça fait une Regardez la sensation que ça fait. Est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas particulier quand même, en vrai? Je suis content. Oui, non, il y a un truc qui m'embête, je vous ai dit... C'est ici, c'est que en fait quand on va arriver, alors il faudrait qu'on arrive à toute vitesse alors, hein. Il faudrait qu'ici ça aille vite, parce que sinon on va être coincé là, hein, très clairement. Ah non c'est bon j'ai rien dit, voilà bon, c'est nickel, y'a rien qui m'embête. C'est carré, là on va continuer à cette hauteur. On va faire un truc quand même assez logique. Voilà. Et c'est là qu'on va monter en fait. Voilà. Ok, bon, je sais pas encore comment on va faire. Mais ça, je m'en occuperai. Ok. Ça, on verra comment on fera. Mais vous avez compris l'idée, quoi. Vous avez compris l'idée. Oh là là, c'est bon ça. Et là, tu passes, bonjour. Incroyable. Là, je peux refermer d'ailleurs maintenant. Voilà, on est là tel des... Des rats de laboratoire, mon pote. Bah, c'est nickel. Eh bah, c'est complètement nickel. Donc voilà, globalement, bon bah, après voilà, il faut que je répare, que je refasse les commandes blocs. Ah oui, du coup, ce que je voulais faire... Ah ouais, mais du coup, ça, on peut pas encore faire. En fait, à vrai dire, les commandes blocs, pour cette attraction, en tout cas, j'ai envie de les faire
uniquement quand j'aurai composé la musique de ce manège. Puisque comme dit, on va faire un sound pack, un ressource pack personnalisé Tiki Land avec mes propres... Parce que du coup, c'est moi qui fais les musiques et tout. Mais XNO, elle est là, elle me donne des idées, etc. Mais le truc, c'est que je peux pas encore composer la musique puisque la musique est basée sur l'attraction. Et comme l'attraction n'est pas encore finie, qu'il y a encore tout un circuit qui mène jusque à la forêt, je peux pas encore composer la musique. Mais voilà, juste pour voir... Frérot, t'es sérieux, gros? Ouais. Est-ce que déjà... Donc là, il n'y aura aucun command block qui fonctionnera, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Donc il n'y aura pas de les murs, il n'y aura pas les particules, etc. C'est juste pour voir s'il n'y a pas un bug, si je suis pas bloqué à quelque part. Voilà, là, on imagine... Vous en rappelez? Il y avait des particules de fumée. Ok, les portes fonctionnent, du coup. On va voir si ça marche vraiment bien. Ah bah ça marche plus. Ah bah oui, parce qu'il manque le un command block qui fait apparaître un bloc et qui permet de faire louper le truc. Là il manquait du timing. C'est normal, j'ai pas fait les repeaters comme il fallait. Mais au moins on voit qu'on n'est pas bloqué. Voilà, et là on est tout lent. On se fait poursuivre. Là normalement il y a ce mur devant qui s'enlève. Et on voit derrière Ah bah faudra voir si ça fait pas bizarre. Encore le dernier truc à réparer encore. Bam, on arrive là. Bon, en tout cas, rien n'est cassé sinon. Enfin, non, l'attraction, elle est bonne. Hop. Ouais, puis là, on sait pas ce qui se passe. Voilà, là, on va super vite. Hop. Bah, au moins, on voit que ça marche d'ailleurs. Tiens, voilà, comme ça, on voit que ça marche. Ça va un petit peu trop vite. On ralentira quand même. Ouais, juste donc pour checker. Bam, ici, ce mur-là, il sera cassé. Qu'est-ce qui se passe derrière? Eh ben, les chaînes sont complètement bizarres. Ouais, il s'est passé quoi, les frérots, là? Pas normal ça. Les chaînes elles sont pas censées être en haut. Ah c'est peut-être normal. Ah c'est peut-être normal, je sais plus si j'avais fait exprès. Bon après ça marche aussi hein, ça fait un effet un peu bizarre mais... Ah oui si ça fait un effet un peu en mode... Ok, non mais c'est bon en fait, c'est carré. De toute façon après il fait sombre, on voit pas grand chose. Nickel. Eh bah c'est super. Donc voilà les amis, ce qui me reste à faire donc en fait tout simplement terminer l'attraction, la fin tu vois, pour faire venir jusque dans la forêt et le retour. Faudra aussi que donc je réaménage la forêt puisqu'elle est un peu détruite et les command blocks. Et une fois que... après du coup je compose la musique. Et une fois que ça c'est fait je m'occupe des command blocks et c'est carré, l'attraction elle est terminée. Voilà tout simplement, et j'ai hâte de vous montrer ça, voilà. Le problème c'est que ça prend du temps et qu'il n'y a pas que cette attraction à faire. Mais en tout cas au niveau des cassures, maintenant il n'y a plus que ça à faire, tu vois, genre, voilà, ça c'est des petits détails, on s'en fout. C'est juste maintenant les command blocks la priorité, voilà, et ça c'est, ça fait vachement plaisir. Bref, j'espère les amis que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous fait plaisir de me revoir à fond sur Tiki Land tout simplement. Je rappelle encore que c'est grâce à OMG Serf qu'on peut faire ça, parce que sans déconner, sans le raid, on serait bien dans la merde, je vais pas vous mentir. Donc voilà, comme d'hab, lien dans la description, avec 5% de réduction en utilisant le code MKOLO. N'hésitez surtout pas, en passant par ce lien, à commander chez eux si vous voulez un serveur Minecraft. Mais du coup, il y a aussi les serveurs TeamSpeak, les serveurs Mumble. Normalement, ça n'a pas bougé, ça fait depuis très longtemps qu'ils proposent ça. Et il y a aussi des serveurs sur un autre jeu, je crois, si je dis pas de bêtises, mais je ne m'y connais pas. Donc voilà. Bref, les amis, pouce bleu pour cette vidéo, et on se retrouve très vite pour la prochaine. C'était MKOLO, des bisous. Ciao tout le monde!